Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Motus, votre jeu de mots quotidien sur France 2. Nous accueillons avec grand plaisir quatre candidates ce matin pour cette émission, Isabelle et Séverine pour commencer. Elles reviennent pour la deuxième fois déjà. On leur souhaite bonne chance, elles seront opposées à Denise et à Corinne. Denise et Corinne qui habitent respectivement la Savoie et la Haute-Savoie. Corinne est vendeuse en boulangerie, Denise elle est retraitée de l'enseignement, elle donne des cours auprès d'enfants malades et elle chante dans une chorale. Bonne chance également à toutes les deux. The Preacher Man, le roi du gospel, mesdames et messieurs, merci d'accueillir Thierry Beccaro. On dirait un indien. Je me suis fait tacler là, mais alors j'y ai mis tout mon cœur. Ça faisait quand même un petit peu gospel, non? Il y a quelqu'un qui tape à la porte, Thierry. Oui. Non, mais c'est vrai, c'était pas mal. Oui. Ça faisait pas danse indienne. Vous m'avez jamais vu quand je danse. Ah oui, je vous ai pas vu faire l'indien, c'est peut-être pour ça. Voilà. Bon, est-ce que vous allez bien, mesdames et messieurs? Oui. J'ai entendu 5 personnes répondre. À la maison, tout va bien, prêt à jouer. Merci beaucoup d'être avec nous. Séverine est là pour la deuxième fois accompagnée d'Isabelle. Ça va Isabelle? Ça va. Bon, Séverine, ça y est, là vous êtes habituée. Ça va, oui. Vous vous êtes fort bien débrouillée la dernière fois. Merci. Mais ça a été un petit peu juste en super partie. Allez, on recommence tout. Je vous présente Corinne et Denise. Bonjour Corinne. Bonjour Thierry. Ça va? Ça va bien. Vous êtes déjà venue une fois? Oui, il y a 3 ans. Et vous avez rencontré Denise pendant les sélections? Oui, on s'est rencontrés aux sélections et on a décidé de revenir une deuxième fois. Mais Denise, vous, au départ, vous ne veniez pas pour... Pour jouer, hein. Non, juste pour voir comment se passaient les sélections. Ah bah, c'est réussi. Et Corinne étant toute seule. Et vous avez été... laissée entraîner. Prise dans le tourbillon. Ah oui. Le tourbillon de Motus. Et qu'est-ce que vous faites toutes les deux, Corinne? Je suis vendeuse dans une boulangerie. Merveille des merveilles. Oui, là, pâtisserie. Et vous, Denise? Retraitée de l'enseignement. Et vous vous occupez de petits-enfants? Je m'occupe de l'école à l'hôpital et bon, un peu de Resto du Cœur aussi. Et puis je fais du chant choral. Voilà, c'est pour ça que j'ai essayé d'illustrer comme je pouvais. Ça... Non. Mais non, franchement. Voilà, oui, bon. Non, c'est américain le gospel, mais ça, c'est vraiment. C'est vraiment les premiers, là. Allez, c'est que. Je tiens le coup quand même, Denise. Je tiens le coup, je résiste. Voici les grilles pour commencer cette merveilleuse émission. Ouais, faites pas le malin, vous, parce que alors là, le moindre petit signe, et hop, là, je vous attrape. Là. Le montant de la cagnotte, Tom. Il y a aujourd'hui 3000 euros à gagner, Thierry, dans la cagnotte. Ouais, super. Et le... Oui, voilà, c'est ça, c'est la feuille que vous cherchiez. Le jeu que vous allez nous offrir. Eh bien, je vous offre Triominos, Thierry. Le jeu de domino à la puissance 3. Un grand classique pour toute la famille. Et puis pour les juniors, une version adaptée avec 2 niveaux de difficulté. L'offre surtout à nos candidates, bien sûr. Merci beaucoup. Nous allons jouer avec des mots de, Denise? 10 lettres. De 10 lettres. Eh bien, je suis ravi et nous commençons avec vous, Denise. Bonne chance. Tomahawk, T-O-M. Poulailler, P-O-U-L-A-I-2-L-E-R. Physicien, P-H-Y-S-I-C-I-E-N. Eh oui, Corinne. C'est pas grave, on vient à peine de commencer. Isabelle, vous prenez le relais et vous récupérez le R. Propreté, P-R-O-P-R-E-T-E-S.
Je suis restée sur les 9. Bon, vous voyez, Denise, il ne faut pas se relâcher, hein, parce qu'on revient vite vers vous. Voici la lettre bonus. Principale, P-R-I-N-C-I-P-A-L-E. Alors, physicien, P-H-Y-S-I-C-I-E-N-S. Prospérant, P-R-O-S-P-E-R-A-N-T. Prospérité, P-R-O-S-P-E-R-I-T-E. Pas facile, pas, non, reconnaissons-le, pas facile, mais vous l'avez trouvé. Corinne, voulez-vous mélanger, s'il vous plaît? Denise. Et c'est encore à vous de jouer, Denise. Voici un mot de 10 lettres. En tout cas, la première lettre, c'est un B. Bafouiller. B-A-F-O-U-I-2-L-E-R. Bicyclette. B-Y-C-I-C-L-E-T-E. Vous êtes descendu de vélo trop tôt, vous avez crevé, je sais pas. Bon. Alors, Isabelle, avec une lettre en plus. Barbouillé, B-A-R-B-O-U-I-2-L-E. Bouteille, B-O-U-T-E-I-2-L-E. Denise, une autre lettre bonus. Voici la lettre T. Baratineur, B-A-R-A-T-I-N-E-U-R. Bien. Je vous en prie, Denise, mélangez. Corinne. Eh ben, donc on passe sur ce mélange. Non, vous avez failli prendre une boule noire. Ah d'accord. Ça, carrément dessus. J'ai cru que j'avais pas bien les mélanges. Si, c'était parfait. Corinne, c'est à vous de jouer avec la lettre R. Rabougri. R-A-B-O-U-G-R-I-E-S. Respectant. R-E-S-P-E-C-T-A-N-T. Rechercher, R-E-C-H-E-R-C-H-E-R. Renversant, R-E-N-V-E-R-S-A-N-T. Recyclable, R-E-C-Y-C-L-A-B-L-E. Récréation, R-E-C-R-E-T-I-O-N. Ah non, j'ai oublié. Là, vous avez eu du mal avec ce mot. Il y a quand même quelques lettres à placer. Isabelle. Réciproque. R-E-C-I-C-R-O-Q-U-E. Oh. R-O. Petite fin. On a une petite fin. 4 heures, j'ai dit. Et c'est dommage, hein? C'est dommage, car cette erreur vous fait perdre la main. Denise, nous continuons avec la lettre D. Douanière, D-O-U-A-N-I-E-R-E-S. Dyslexique, D-Y-S-L-E-X. Oh là là! Q-U-E. Ah merde, j'ai oublié. Là, vous choisissez la difficulté, la Corinne. Je vais les mettre ailleurs. C'est bien, vous êtes combative. Vous allez y arriver. Isabelle, une lettre en plus pour vous. Disquette.
D-I-S-Q-U-E. Oh là là. Ah, c'est vrai que quand on commence, il faut aller au bout. Hein. Alors, Denise, on va vous donner une lettre bonus. Dyslexique. D-Y-S-L-E-X-I-Q-U-E. Ah, vous y tenez, hein. Corinne. Décoration. D-E-C-O-R-A-T-I-O-N. Dissimulé. D-I-2-S-I-M-U-L-E-R. Là, je... Alors, on l'accepte, mais avec un carton jaune. Hein. Je recommencerai plus. Non, mais c'est vrai que les mots de 10 lettres, quand on commence à épeler, c'est pas simple. Hein. Bon, dyslexique, ça c'est fait, on n'en parlera plus. Vous pouvez mélanger, Corinne ? Allez. Le 11, Denise. Vous pourrez vous rapporter 100 points de plus. Pas le 11. Désolé, Denise. Non, ça fait rien. Pour l'instant, vous menez hein, 150 à rien. Isabelle, il ne faut plus traîner. Voici la lettre E. Effrayante. E-F-R-E. Qu'est-ce qui se passe avec ces mots de 10 lettres, Isabelle ? Faites un blocage. Complet. Oui, j'ai l'impression. Oui, là, ça bug. Comme là. Denise, la lettre bonus. Eupatoire. E-U-P-A-T-O-I-R-E-S. Expérience. E-X-E-P-E-R-I-E-N-C-E. Ah, mince. C'est vous, le Y, le X, tout ça, vous aimez bien. Il nous manque le Z. Hein, il faut nous sortir quelque chose avec un Z. Bon, Isabelle, là, vous allez marquer, voici le R. Effrayante. E-F-F-E. R-A-Y-A-N-T-E. Exposition. E-X-P-O-S-I-T-I-O-N. Effraction. E-F-F-R-A-C-T-I-O-N. Vous voulez pas respirer un peu, Isabelle ? Oui. Un tout petit peu. C'est du boulot, bon. Les 10 lettres, hein. Allons-y, comme ça, vous mélangez, vous soufflez. 44. Séverine. Oh. vous n'êtes pas très loin, il y a 100 points d'écart, quoi. C'est la valeur du dernier mot, vous voyez. Pas énorme. Denise, voici la lettre C. Chatouiller, C-H-A-T-O-U-I-2-L-E. Crocodile, C-R-O-C-O-D-I-L-E-S. Croquette, C-R-O-Q-U-E-2-T-E-S. Corinne, ça vous concernait, mais alors, à plus d'un titre. Isabelle, la lettre bonus. Croustiller, C-R-O-U-S-T-I-L-L-E. Je vais préciser, évidemment, la raison pour laquelle j'évoquais ce mot, croustiller, puisque vous, Corinne, vous travaillez... En boulangerie. Voilà, et donc, une baguette bien croustillante. Oui. C'est notre bonheur à tous. C'est Isabelle qui va mélanger, allez-y. 8. Séverine. Bon, bah écoutez, c'est dommage. Tom ? Eh oui, ce sera le dernier mot également, Thierry.
Cela dit, c'est dommage, il faut absolument que Denise et Corinne trouvent ce mot. Il faut le trouver, oui. Eh oui, bah oui, vous allez le dire. Donc, Denise, ça commencera par un F. Farfouiller, F-A-R-F-O-U-I, deux L-E. Félicitant, F-E-L-E-C-I-T-A. Zut, c'est pas vrai. Mais si. Et ça, c'est bien dommage, parce que si vous trouvez ce mot, Isabelle, vous gagnez la partie. Facultatif, F-A-C-U-L-T-A-T-I-F. Funéraire, F-U-N-E-R-A-I-R-E-S. Facturette, F-A-C-T-U-R-E-T-T-E. C'est incroyable, vous, j'ai l'impression que vous ne respirez pas. On est en train de souffler pour vous. Denise. Facturette, F-A-C-T-U-R-E-2-T-E. Il bon, faudra envisager un entraînement physique pour tous les candidats qui choisissent les mots de 10 lettres. Je ne sais pas, on va aller courir, on va aller tous au stade. Allez hop. Bon, applaudissements pour les 4 candidates. Merci beaucoup en tout cas. Bravo Denise, bien joué Corinne. Et des cadeaux pour Isabelle et Séverine. Isabelle et Séverine avant Quest Software vous offrent des logiciels pour apprendre l'anglais et vous amuser en famille, ainsi que 100 € de logiciels à télécharger sur avantquest.com. Ah Isabelle, là, ça a été très très compliqué là. Oui, la totale. Vous aviez fait l'impasse sur les mots de 10 lettres. Non, si, en plus non. Si. Bon, vous reviendrez, j'espère. Bien sûr. Bon, on embrasse la famille, les amis. Oui, tout à fait, ma petite fille Ambre en particulier. Bon, et vous Séverine? Eh bien, c'était une première fois, voilà. Oui, 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 je reviendrai. Et vous embrassez un peu tout le monde. Mes enfants surtout, bon. Alexandre et Julie. Merci infiniment. Dans un instant, il y a pas mal d'argent à gagner. Hein. 3 000 € dans la cagnotte. Place à la super partie. Pour participer à Motus, contactez-nous au 01 56 22 2000 ou sur le net, motus@francetv.fr. Et pour nos prochaines sélections, nous serons le jeudi 17 novembre à Charleville-Mézières, le vendredi 18 à Lens, le samedi 19 à Lille, le vendredi 16 décembre à Vannes et le samedi 17 à Nantes. Alors composez à tout moment de la journée le 01 56 22 2000 ou écrivez-nous motus@francetv.fr. N'hésitez pas, suivez les conseils de Tom et faites comme Corinne et Denise. Venez sur le plateau de Motus, vous passerez un bon moment. Et vous gagnerez peut-être 3 000 €, allons savoir, Denise, Corinne. 5 minutes 30 pour trouver 10 mots de 10 lettres. Ouvrez bien le jeu. Voilà, le secret de la victoire est en vous. Merci. Bonne chance. Merci. Numération, N-U-M-A. Non, vas-y. Mâchouiller, M-A-C-H-O-U-I, deux L-E. Numération N U M E. Ah merde, je colle. Monitrice M O N I T R I C E S. Montagnard M O N T A G N A R D. Monumental M O N U M E N T A L. Débutante, D-E-B-U-T-A-N-T-E-S. Douanière, D-O-U-A-N-I-E-R-E-S. Débranchée, D-E-B-R-A-N-C-H-E-R. Sourisseau, S-O-U-R-I-C-E-A-U-X. Savoyard, S-A-V-O-Y-A-R-D-E-S. Sandwich, S-A-N-D-W-I-C-H-E-S. S-A-N-D-W-I-C-H-E-S.
Sanitaires, S-A-N-I-T-A-I-R-E-S. Il y a un O. Sanatorium. S-A-N-A-T-O-R-I-U-M. Chatouiller, C-H-A-T-O-U-I-2-L-E. Croissant, C-R-O-I-2-S-A-N-T-S. Correction, C-O-R-R-E-C-T-I-O-N. Corruption, C-O-R-R-U-P-T-I-O-N. 2 minutes 45. Trouvaille, T-R-O-U-V-A-I-2-L-E. Tyrannique, T-Y-R-A-N-N-I-Q-U-E. Tchadienne, T-C-H-A-D-I-E-N-N-E. Eupatoire, E-U-P-A-T-O-I-R-E-S. Expérience, E-X-P-E-R-I-E-N-C-E. Embarrassé, E-M-B-A-R-R-A-S-S-E. Répugnante, R-E-P-U-G-N-A-N-T-E. Répugnance, R-E-P-U-G-N-A-N-C-E. 1 minute 25. Farfouiller, F-A-R-F-O-U-I-2-L-E. Filouterie, F-I-L-O-U-T-E-R-I-E. C'est pas mal, ça. Bravo. Encore deux mots. Poulailler, P-O-U-L-A-I-L-L-E-R. Prud'homal, P-R-U-D-H-O-E-M-M-A-L. P-R-U-D-O-M-M-A-L. Dommage. Précédente, P-R-E-C-E-D-E-N-T-E. Prudemment, P-R-U-D-E-2-M-E-N-T. Le dernier, vite. Bafouiller, B-A-F-O-U-I-2-L-E-R. Besogneuse, ouais. B-E-S-O-G-N-E-U-S-E. Oh, wow. C'est pas bien. Ouais. C'est toi. Wow. Je peux vous dire qu'on était de tout cœur avec vous, Denise, Corinne, parce que c'est... On était besogneuse. Non, il y avait de l'application et on sent quand même que les mots de 10 lettres, il faut y aller. Hein, c'est... Vous devez être fatiguée, là, hein, Denise. Bon, ça va aller. Bah, vous venez de gagner quand même 3000 euros. Ah bah, quand même, Corinne. Bravo. Merci, merci bien. Et vous avez trouvé certainement le mot qui vous a relancé, c'était filouterie. Oui. Ouais. Voilà. Et à un moment donné, vous avez failli vous égarer sur Prud'homal. Ah oui, bah, Prud'homal. On s'en sortait hein, plus là. Là, je vois là. Comment ça s'écrit ce truc-là. C'est... Vous nous avez replacé un petit X quand même. Oui. Hein, parce que vous les aimez bien. Oui. Donc 3000 euros pour Corinne et Denise. Quand je vous dis, voilà, n'hésitez pas à venir sur le plateau de Motus. Vous passerez de toute façon, je l'espère, un bon moment. Ah oui, ça va. Ouais. Puis vous partirez peut-être avec un peu d'argent. Bonjour. À toute la boulangerie, à tous les clients. Oui, on va tout croustiller, merci. Ah, mais j'ai pas lâché mes croissants quand même. Bon. En tout cas, merci à toutes les deux et bravo. Merci beaucoup, à la prochaine aussi, fois. Et à toute l'équipe.
Merci.